Dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Les jeunes, les femmes et les organisations de la société civile du Mali s'engagent tous à jouer leur partition pour la réussite de cette initiative. Forte chaleur et vent chaud font nos journées. Le mois d'avril s'annonce le mois le plus chaud de l'année. Nous allons voir avec Najim Babacissé et Hassan Aïdara comment les populations de Tombouctou arrivent tant bien que mal à observer le jeûne. Astuce en fin d'édition. Mercredi 3 avril. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Rencontre hier entre le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale et les membres du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Les échanges ont porté sur le caractère inclusif du dialogue intermalien. L'initiative présidentielle amorce ainsi sa deuxième phase avec les concertations à la base dans les communes, régions, ambassades et consulats. Souleymane Kenzas-Dibi. Le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale aborde ainsi sa deuxième phase, celle qui veut rencontrer, écouter toutes les institutions de la République, recueillir les attentes, avoir leur implication également dans ce processus de paix entre frères maliens, des frères et sœurs qui vont engager le dialogue pour mettre fin aux crises, aux mésententes entre les communautés. Le Mali à la croisée des chemins a besoin de ses fils et de ses filles pour qu'ensemble, dans une synergie d'action et d'intelligence, qu'on l'assiste à tenir, à se maintenir debout. On ne cesse jamais de dialoguer. C'est toujours bienséant d'engager des pourparlers entre Maliens. Le dialogue est une vertu, voire une valeur ancestrale bien ancrée dans notre société. Pour le président du comité de pilotage, Ousmane Youssefi Maïga, il est temps de se parler, de mettre balle à terre et de jouer joyeusement ensemble entre frères maliens pour le bon vivre ensemble. Plusieurs crises traversent notre pays depuis un certain temps. Comme disent les sportifs, il est temps de mettre la balle à terre et de trouver le meilleur gazon sur lequel il faut jouer. Les Maliens doivent jouer ensemble. Dans la lettre de mission que le président a déclinée, sa vision pour le dialogue intermalien. Je le cite, il vise à résoudre ce dialogue, les mésententes au sein de communautés et entre elles, à réparer le tissu social en vue de restaurer l'harmonie et le vivre ensemble ayant toujours caractérisé les sociétés maliennes sans lesquelles le développement et les réalisations du Mali seraient impossibles. Cette belle initiative du président de la transition apportera coup sûr la paix au Mali. L'aboutissement et le passage obligé, c'est le dialogue, c'est le sigikafo, c'est l'écoute mutuelle, c'est le partage des peines, des récriminations, mais aussi le partage des solutions. Cette prise de contact s'est transformée en un cadre d'échange et de discussion. Les membres du comité sont intervenus tour à tour, qui pour expliquer, qui pour apporter des apaisements ou des éclaircissements, qui pour apporter des réponses idoines. Toutes ces choses dénotent une certaine prise de conscience pour la paix, au-delà pour l'avenir du Mali, dira Mme Fatmata Sekou Diko, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée des questions politiques. Le dialogue, c'est au niveau communal, régional et national. Pour la diaspora, c'est au niveau des consulats. Ce dialogue intermalien engage toutes les couches socio-professionnelles du pays, demande par conséquent à toutes leur pleine implication. Et pour la réussite de ce dialogue, les jeunes, les femmes et les organisations de la société civile du Mali promettent de jouer toute leur partition. Le reportage est signé Mamari Koné. C'est dans une salle de Libaba Sissoko, archicomble du CICB, que le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation a rencontré les jeunes, les femmes et les organisations de la société civile. Au centre des échanges, l'organisation de la deuxième phase du dialogue intermalien. Le président du comité de pilotage a tout d'abord expliqué à l'assistance les actes posés depuis la création du comité en janvier 2024 avant de décliner ses attentes envers les jeunes, les femmes et la société civile. Nous comptons sur votre mobilisation qui est déjà démontrée
votre accompagnement avec l'implication de vos démembrements à la base et d'aboutir à un processus inclusif. Qu'aucun Malien ne soit exclu de ce processus. Parlez avec tout le monde, même ceux qui hésitent, qui ne croient pas, vous pouvez les convaincre parce que vous êtes des dames, des jeunes, dynamiques, et vous avez, c'est la force de conviction de vos arguments qui vont les amener autour de la table. Cette initiative du président de la transition, Dira Ousmane Issoufou Maïga, vise à mettre fin aux multiples crises entre les fils d'un même pays. Il s'agira donc de recueillir les préoccupations des Maliens de l'intérieur, des Maliens établis à l'extérieur, ainsi que les contributions faites sur la plateforme numérique créée à cet effet. Cette inclusivité sera la lame de fond de la suite de cette deuxième partie du processus du dialogue intermalien, avec les phases communales qui débuteront du 13 avril au 15 avril, régional, district, ambassade et consulat du 20 avril au 22 avril. Enfin, au bout du processus, nous avons la phase nationale dont le président de la transition, chef de l'État, présidera les cérémonies d'ouverture et de clôture aux dates qu'il indiquera. Les interlocuteurs du jour adhèrent à la démarche inclusive et participative. Nous avons été impliqués et la lourde tâche que nous a donnée l'État avec le président du dialogue intermalien, nous ferons tout pour mener à bien, en tout cas, tout ce que nous devons faire, nous le ferons. Rien ne peut se faire comme construction dans le Mali sans passer par la jeunesse. Donc il nous revient essentiellement de jouer entièrement notre rôle. Et pour cela, nous sommes prêts. On va passer la communication entre nous, échanger pour répondre essentiellement aux défis de la jeunesse et répondre vraiment à l'aspiration de la jeunesse comme cela se doit. On a bien compris le message et on serait tous pionniers de ce message-là et du dialogue intermalien, car nous sommes tous interpellés, car nous voulons notre pays, notre patrie unie et prospère. Le porte-parole du gouvernement a pour sa part réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner le dialogue intermalien avant de donner les motivations profondes de cette initiative présidentielle. Le 31 décembre 2023, dans son adresse à la nation, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a annoncé à la population malienne l'option de privilégier dorénavant un dialogue intermalien, bien entendu, qui résulte d'un ensemble d'échecs. C'est vrai que ce sont des échecs, mais il est également important de tirer les enseignements de toutes ces expériences précédentes. Quand on regarde un peu l'histoire de notre pays, d'un accord, nous passons à d'autres conflits, d'un accord, nous passons à d'autres conflits, malheureusement, jusqu'à la crise multidimensionnelle que nous connaissons depuis moins 2012, ayant abouti à la perte de plus de 75% de notre territoire national. Voici un peu les raisons profondes qui ont poussé le chef de l'État, Justine, à privilégier dorénavant cette option. Cette forte mobilisation des jeunes et des femmes présage déjà un bon dialogue intermalien selon certains observateurs. En ce mois d'avril, les températures grimpent partout dans le pays. Dans le reportage qui suit, nous vous amenons à Tombouctou où le thermomètre affiche jusqu'à 43 degrés Celsius par endroit et cette forte chaleur est accompagnée de vents chauds. Alors comment les populations arrivent-elles à observer le jeûne dans cette période de l'année? Najim Baba Cissé et Hassan Aïdara sont allés à leur rencontre. Découvrons ensemble leurs astuces. Avec des températures moyennes qui tournent entre 39 et 42 degrés Celsius. Durant ce mois de Ramadan, les populations de la ville de Tombouctou adoptent des astuces pour maintenir le cap. À partir de midi, les camarades se retrouvent sous des hangars construits, ensablés et arrosés pour se procurer l'humidité.
Les astuces que nous faisons ici, surtout aujourd'hui, c'est un jour férié, nous sommes au Grain d'ailleurs, au bord du goudron. Donc on a notre robinet à côté, on a versé de l'eau un peu partout. On n'a pas pu construire une case aussi digne comme les Tomboxiens le font, au moins pour qu'il y ait plus de fraîcheur à l'intérieur. Le matin, on fait tout avant 11h. Voilà, à 11h midi, on se met à l'ombre. Parce que la chance de Tombouctou, c'est que si on est à l'ombre, ça va. D'autres groupes débattent des sujets d'actualité pour ne pas voir le temps passer à l'image de celui-ci. On se retrouve aussi entre frères, mais souvent il y a des questions d'actualité qui font état des débats entre les membres du grain et ça se passe en merveille entre nous. Et malgré que le vent est chaud, mais on s'y adapte. Tout le monde est là, on est quand même sur le sol, donc on met du sable là-dedans, on arrose bien. Donc on essaye de profiter de la fraîcheur du sable. Et puis on cause, on parle de tout. Donc on fait passer la journée. Dans les services publics et même privés, le mois du Ramadan a beaucoup impacté le cours normal des activités. Nous sommes là à 7h30 et nous descendons, n'est-ce pas, donc à 16h. Donc avec l'arrivée du Ramadan également, nous nous sommes déjà adaptés donc, à la situation. Et là, ça ne nous a pas posé, n'est-ce pas, donc, des soucis. À quelques minutes de la rupture, la situation thermique s'est beaucoup adoucie. C'est la preuve que malgré la forte chaleur la journée, les nuits sont fraîches à Tombouctou, avec 24 et 26 degrés Celsius. Nous vous en parlions la semaine dernière. Un réseau d'assassins de bébés a été découvert à Siranikoro, dans la commune rurale de Loulouni, cercle de Sikasso. Suite à cela, la gouverneure de la région a organisé un cadre d'échange avec les populations. C'est pour les inviter à faire preuve de vigilance. Reportage à Moussokoro Sérémé et Taïrou Konati. C'est une rencontre d'information, de sensibilisation et d'éveil de conscience des différentes couches sociales de la région de Sikasso, les femmes en l'occurrence, sur les conséquences de la pratique de certains rituels. Le cadre initié par la chef de l'exécutif régional fait suite à la découverte d'un réseau d'assassins des bébés à Siranikoro, dans la commune rurale de Loulouni. Avoir un enfant, c'est une bénédiction et c'est une grâce. C'est pas pour rien que les hôpitaux existent, c'est pas pour rien que les pédiatries existent. Je dirais aux femmes de communiquer avec leurs conjoints, d'être prudentes. Et aux hommes également de supporter, s'il y a ces cas dans les familles, de les aider à les soigner, de les aider à les protéger. À cette rencontre, les participants sont édifiés par la police à travers des explications détaillées sur le déroulement du crime. Et les acteurs entendent pleinement jouer leur rôle afin que ce genre de tragédie ne se répète plus. L'initiative est salvatrice puisque ça va beaucoup édifier les femmes, les jeunes femmes surtout, à prendre conscience de l'aspect mythique des enfants qui ont bénéficié de ces handicaps-là. Cette affaire interpelle surtout nous, leaders coutumiers, car ce genre de pratique se fait dans nos villages et quartiers et on doit être les premiers dénonciateurs. C'est aujourd'hui qu'on a reçu la bonne information et nous allons à notre tour la relayer partout où ça se doit. Vigilance, lucidité et coopération avec les forces de défense doivent désormais faire partie de notre quotidien. Les travaux de la première session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD 2024 de la région de Mopti se tiennent depuis hier, 2 jours pour présenter l'annuaire statistique de la région, communiquer sur les indicateurs de la politique nationale de la décentralisation et présenter le programme d'appui au secteur de l'élevage au Mali, entre autres. Reportage Bouakar Sangari. Cette première session du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD de la région de Mopti au titre de l'année 2024 vise à valider les projets et programmes de développement de la région, mais pas seulement. Le CROCSAD offre un cadre de synergie d'action propice aux différents acteurs pour appréhender et harmoniser les efforts de développement de la région. Au cours des travaux, les participants vont examiner les points suivants. La problématique de la mobilisation des droits de tirage par la collectivité territoriale, la validation du plan opérationnel 2024 du Conseil régional de Mopti, la mise à jour et la validation des indicateurs du document cadre de politique nationale de la décentralisation, DCPND,
la présentation et la validation de l'annuaire statistique de la région de Mopti, la présentation du programme d'appui au secteur de l'élevage au Mali, PASSEM 2. Au terme de cette session de 2 jours, les participants vont faire des recommandations visant à impulser un nouvel élan aux activités de développement socio-économique de la région de Mopti. La Cour administrative d'appel, c'est le sujet de ce numéro de notre chronique judiciaire. Elle est une juridiction du second degré de l'ordre administratif. Elle est chargée de juger les affaires déjà jugées par une juridiction de première instance. Quel est le rôle de cette Cour? Comment fonctionne-t-elle? Des réponses avec Garibou Pérou et Abdoul Salam Bambara. Institution clé du système de justice, la Cour administrative d'appel est la juridiction spécialisée en appel. Cour de second degré, elle est chargée de réexaminer les décisions rendues par les tribunaux administratifs. Son but est d'assurer la conformité des décisions à la loi. Au Mali, on a une justice organisée en 2 ordres. L'ordre judiciaire que tout le monde connaît, qui est composé des juridictions qui sont chargées des litiges entre les particuliers, c'est-à-dire entre les citoyens, des litiges d'ordre pénal, d'ordre civil, d'ordre commercial, d'ordre social, et les juridictions de l'ordre administratif qui sont chargées des litiges entre l'administration et les administrés. Donc la Cour administrative d'appel est la juridiction de second degré de ces juridictions d'ordre administratif. Les cours administratives d'appel fonctionnent comme les instances d'appel offrant aux parties insatisfaites de la décision des tribunaux administratifs une chance de faire réexaminer leur affaire. Elles se penchent sur les questions de droit et d'interprétation légale. Par exemple, quand le justiciable attaque une décision, il doit préciser les raisons de fait et de droit qu'il trouve la décision contraire à telle ou telle loi en vigueur. Quand la première instance vide sont délibérés et qu'une des parties n'est pas d'accord, elle fait appel. Que cette fois, ce n'est pas une requête qui est arrivée. C'est une lettre qui dit « je ne suis pas d'accord avec le jugement qui a été rendu ». Lorsque le dossier arrive, le président l'impute à un conseiller qui est chargé de la mise en état. De la même manière que ça a été mis en état en première instance, de la même manière, le conseiller chargé de la mise en état se charge d'informer l'appelant que son dossier est arrivé à la Cour et qu'il doit venir dire à la Cour en quoi il n'est pas d'accord avec le jugement qui a été rendu. Donc, maintenant, ce n'est plus la décision de l'administration qui est en cause, mais c'est la décision du juge d'instance qui est en cause. Et la Cour d'appel a toutes les possibilités de revenir et sur les faits et sur le droit pour voir si réellement le juge d'instance a tranché en droit. Si c'est le cas, il confirme le jugement. Si ce n'est pas le cas, il l'infirme. Lorsque la Cour administrative d'appel tranche et que la personne n'est pas satisfaite de la décision qui a été rendue, elle fait ce qu'on appelle le pourvoi en cassation. C'est-à-dire elle exerce une autre voie de recours qu'on appelle le pourvoi en cassation. Et cette fois-ci, la Cour administrative d'appel est obligée de transmettre le dossier à la Cour suprême. Les cours administratives d'appel traitent les conflits liés à l'urbanisme, aux impôts, au mouvement des fonctionnaires, en somme aux droits des citoyens vis-à-vis de l'administration. Dans la pratique aujourd'hui au Mali, les décisions les plus contestées, c'est les décisions concernant la fonction publique et la gestion du foncier. Au niveau de la fonction publique, quelqu'un peut prétendre avoir droit à une régularisation après une formation. L'administration peut prétendre que vous avez été en formation sans avoir un congé de formation, sans avoir autorisé. Elle refuse de vous régulariser. La décision qu'elle prend pour vous dire que non, désolé, vous ne pouvez pas être régularisé, si elle est prise au niveau régional, local, c'est les tribunaux d'instance. Mais il y a des décisions qui sont prises par des autorités qui ont une compétence nationale, c'est-à-dire leur compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire. Ces décisions ne peuvent pas être déférées au niveau des tribunaux d'instance et par conséquent ne peuvent pas faire l'objet d'appel devant nous parce que là, la saisine est directement faite au niveau de la Cour suprême. Lorsque vous contestez un décret du président de la République,
La saisine est directe au niveau de la section administrative de la Cour suprême. Lorsque vous contestez une décision prise par le ministre de la Justice ou par un membre du gouvernement, le Premier ministre, là, la saisine est directe. C'est-à-dire on ne peut pas quitter la première instance. Lorsque c'est une autorité indépendante, vous savez, telle que le vérificateur général ou bien le président de l'OCLI, donc c'est des autorités qui ont une compétence nationale. S'ils prennent des décisions, si vous n'êtes pas d'accord, ça c'est une saisine directe. Dans les processus d'appel et de révision, les juges de cette cour réexaminent les éléments factuels de l'affaire et vérifient qu'il n'y a pas eu d'erreur dans l'appréciation de la règle de droit. La cour peut ici confirmer la première décision ou l'infirmer totalement ou partiellement. Autrement dit, elle peut soit annuler la décision ou la modifier. Chez nous, ce n'est pas un procès fait à des personnes, mais l'acte qui a été pris, qui est contesté pour n'avoir pas respecté une loi, une procédure ou bien une voie d'exécution. La Cour administrative d'appel est une composante essentielle du système de justice administrative. Grâce à elle, le principe de double degré de juridiction est aujourd'hui effectif. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec une décision administrative, on peut interjeter appel en vue de prétendre gagner le procès judiciaire. C'est la fin de cette édition. Salimata Daou sera avec vous à 20h45 pour l'édition du soir. Merci de votre fidélité. Passez un bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.